On a tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi, parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk Sans Filtre. Nous sommes dimanche, on arrive à la fin de la journée, hein, admettons-le. Et il arrive à ce moment-là un phénomène largement répandu et pourtant ridicule, qui s'appelle le blues du dimanche soir. Pourquoi ? Eh bien parce que le lundi, il faut aller travailler ou à l'école. Enfin bref, c'est lundi et le lundi, ça pue. Pourquoi est-ce que le lundi devrait toujours puer ? C'est cool le lundi. Déjà, première chose à savoir. Votre week-end se termine. Vous avez hâte du prochain week-end. Plus tôt on est lundi, plus tôt on est mardi, plus tôt on est mercredi, plus tôt on est jeudi, plus tôt on est vendredi, et plus tôt on est de nouveau en week-end. Donc déjà, le seul moyen d'arriver au prochain week-end, c'est d'y passer par ce lundi. Ensuite, le lundi, pourquoi toujours voir ça comme quelque chose de négatif ? C'est un nouveau démarrage, c'est pas le bon mot, mais enfin vous voyez, c'est le moyen de passer une bonne semaine. Alors oui, parfois, on sait qu'il nous attend quelque chose de pas cool, mais enfin ça c'est pas propre au lundi. Hein. Oui, le lundi c'est un petit peu difficile, hein, parce qu'on s'est levé tard le dimanche, du coup on a du mal à s'endormir le dimanche soir, du coup le lundi on a un peu la tête dans le pâté, mais en même temps tout le monde nous excuse, c'est lundi. Faut peut-être arrêter de voir le lundi à un moment donné comme quelque chose de négatif. Sauter dans le lundi, les pieds joints. Enfin, je veux dire, c'est cool le lundi. C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Faut arrêter de se lamenter sur le dimanche soir. Puis le dimanche soir, c'est cool. On est reposé. C'est là qu'on peut prendre le temps de se vautrer devant la télé comme le reste du week-end. On a fait plein de choses le week-end, justement, qui étaient un petit peu fatigantes. Donc là, c'est ce moment où on peut se reposer. Donc c'est plutôt cool le dimanche soir. Pourquoi déprimer ? Puis, est-ce que vous avez pensé à ce que ressent le lundi ? Est-ce que vous avez pensé que le lundi se sent mal aimé ? Que le lundi se dit « personne n'a envie de me voir, quoi, à part deux, trois fous là qui sont contents parce que j'arrive. » Alors que, quand même, tout le monde kiffe son pote le vendredi, alors je vous raconte pas les histoires. Hein. Dur pour lundi. Pensez au lundi. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour lui. Puis le lundi, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions aussi, du genre arrêter la drogue.